Tu m'avais promis que tu serais toujours là pour moi. Saraline, je fais ça pour ton bien, crois-moi. Tu ne peux plus rester ici. Dakodak, c'est pas grave, j'ai qu'à me tirer d'ici et choisir quelqu'un parmi les millions de gens qui me laisseront faire la teuf chez eux. Tu ne devrais pas faire ça, Saraline. Oh, je sais, mais je peux le faire, alors je vais le faire. Tu sais, je suis à un moment de ma vie où j'ai pas besoin de me comporter en adulte, ni de rendre des comptes à personne. Parce que je peux toujours m'entourer de faillots et de complices jusqu'à ce que je meure beaucoup trop jeune. Quoi? Ben oui, c'est déjà trop tard pour moi, je suis fichue. Ainsi va la vie. On se calme, mesdames. Oh, tant que j'y pense. J'ai appelé Vanessa Gecko et on se voit demain. Merci pour la suggestion. Non, non, c'est pas possible. Hé, hey, vous voulez entendre ma nouvelle réplique qui tue? Allez vous faire enfourner, espèce de raté. Laura, l'idiote, a mordu à l'hameçon. On passe à l'étape 2. Elle est partie? Je peux sortir sans crainte? Appelez les journaux et dites-leur que l'agent d'Andrew Garfield va rencontrer son ex. Contactez-les tous. Attendez une heure, puis arrangez-moi un déjeuner avec Andrew Garfield ce week-end. Dans un resto italien.